Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Terminator Dark Fate. On se retrouve de nouveau pour essayer de neutraliser l'Armada Grande, qui est globalement notre priorité, même si là on est en train de lancer un petit assaut simultané pour les occuper. Qui se passe moyennement bien, on va pas se mentir, hein. On a des unités qui souffrent, mais après tout c'est la milice, ils s'en fait pour ça. Je pense qu'on va lancer un assaut là, parce que c'est quand même que du mec de base dedans. Là on sait de l'arme efficace contre les véhicules, mais il y a tellement de fumée que c'est compliqué. Alors la bonne nouvelle, c'est que notre char est mort. Ah non, il est là notre char. On était en train d'essayer de le réparer, il se fait un petit peu allumer. On est en train là de tenter de le défoncer ça à coup d'artillerie. Là, nos unités de plasma ont réussi à atteindre les bâtiments. Presque. Ici, il y a un camion de ravitaillement qui entoure des gros trucs. Et ils sont à portée de notre artillerie normalement. Hop, de celle-là. Qui normalement peut shooter ça. Donc on va essayer de l'envoyer shooter ça. Si on arrive à détruire ça, il y a moyen que ça endommage tous ceux qui sont autour. Le problème qu'on a en vrai, c'est ce transport qui se traîne, mais à deux à l'heure. Allez, faut avancer là. Ok, c'est géré. On va prendre position là. Là, on allume le bâtiment. Alors là, on a perdu quelqu'un. On a Hardar 2. Ok, là, le véhicule est en feu, c'est parfait. Alors, eux, ils sont pas ouf au corps à corps, les miliciens, mais on va les envoyer quand même charger. Là, on va essayer de se faire celui-là. Lui, je pense qu'il a plus de... Ouais, il a plus de munitions, donc il est moins critique. On va quand même tenter de se le faire. C'est un RPG que t'as, toi. Ok, très bien. Alors, est-ce que là, on pourrait pas plutôt tenter de nettoyer ça, s'il vous plaît? Ici, on a réussi à mettre un coup au but ou pas? J'ai pas l'impression. T'es en train de recharger ou pas? Attends, tu viens de tirer. Ok. Voyons voir. Raté. Ok. Pas cool. Oui, parce que du coup, c'est pour ça que ça clignotait là, en fait. C'est qu'ici, il y a le truc de... Les mecs un petit peu énervés, là. Ils sont trop loin pour nous. Ouais, ils sont beaucoup trop loin pour nous, malheureusement. Cela dit, on est en train de nettoyer les bâtiments. Bon, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde, il nous faudrait du renfort dans l'absolu. Toi, tu peux, t'es pas très loin, hein. Tu peux t'approcher un peu, essayer de tirer sur ça. Ok, toc toc toc. Là, on a envoyé la milice lancer l'assaut. Ce serait bien d'y aller à plusieurs là, vous avancez. Bah eux malheureusement ils ont plus de munitions donc ils sont vachement moins utiles d'un coup. Ils ont leur petit PM quoi. Là on a du saut. Vous si vous pouviez venir par là par exemple pour avoir une meilleure angle de tir. Le tank ça se passe comment? Ils en sont où? Ils sont remontés dedans. Ok parfait, venez par là. Toi. Tu viens me dropper tes troupes ici, mais genre vite. Ok, on commence à bien prendre les bâtiments, mine de rien. Ça fait un peu diversion sur leurs diverses unités d'artillerie. Là, le truc est toujours en flamme. Vous, faut avancer. Assaut. Vous, tant qu'à rien foutre, assaut. Pire, vous mourrez, c'est triste, mais on s'en remettra. On va avancer le lance-grenade qui va nous aider, je pense. Ok, ça y est, on a un angle de tir pas inintéressant. Là, on les allume. Le véhicule est en feu. On a de moins en moins de munitions, là. Où sont nos... Putain, mais il a fait demi-tour, mais je rêve. Oh là là, mais quel enfer. Ce véhicule à la con, il est buggé. En plus, il va tomber en dèche de carburant. Bon, faut qu'on se concentre sur lui. Ici, on a réussi à mettre des coups au but. Ouais, un petit peu.
c'est cool si on arrive à s'en occuper. Mais ouais, non, il faut qu'il arrive, lui. Hein. Il faut qu'il arrête de faire n'importe quoi. Hein. Allez, prends ta vitesse, là, t'es à fond. Ouais, on est en train de perdre du monde dans les bâtiments, puisque, bah, bien évidemment, c'est la merde. Ok, là c'est géré, là c'est géré. Il faut qu'on aille prendre position en avant. Alors, non, plutôt là en vrai. Vous, plutôt là. Vous, dans celui-là, les snipers. Vous et vous, vous allez là. Les snipers. Vous allez me prendre position là. Ici, place Marlis et place Mapierre qui font une défense épique. Ok, on a détruit ça. Ça les a bien endommagés, mais ça les a pas détruits. Mais ils peuvent plus tirer. Lui, il peut plus tirer. Lui, il peut encore tirer. Lui, il peut plus tirer. Ok, donc c'est celui qui est devant qu'il faut privilégier. C'est parti, allumez-moi ça. L'autre, il a survécu, là, le véhicule. Avec son HE. Ouais, il a survécu. Vas-y, allume-moi ça. Priorité au tir. Il va falloir qu'on avance, visiblement. On va ramener du renfort sur la place. Un petit char. Un petit Humvee avec une mitrailleuse en avant. Ici, c'est encore un petit peu trop risqué de le monter sur la place pour recharger nos ATGM, même si ça va venir doucement. On va voir éventuellement des véhicules à reprendre, là. Maintenant, il faut se concentrer sur ça. Viens là, vas-y, viens là, viens là. D'ailleurs, j'ai même envie de te dire, tu vas dropper tes mecs ici. Place Marnis et place Mapierre perdent du monde, mais ils tiennent la ligne. Un peu tout seul, faut dire ce qui est. Un petit peu tout seul. Alors, maintenant qu'on a commencé à endommager les tirs d'artillerie, là, on peut envisager d'avancer. Pour leur filer du renfort. Là, on en est où? Allez, go, 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 go. Lâche ton monde, là. Allez, putain. Sors-les. Ok, parfait. Go, vous venez ici. Bon, on est en train de perdre beaucoup de monde, là. C'est l'artillerie qui nous fait mal encore. Ah, il y a du monde encore. Il y a encore beaucoup de monde. Les snipers sont en train de se mettre en position. Bientôt, il va falloir que notre artillerie puisse nous aider là-dessus. Toi, t'es même de tirer là-dessus. Non, hein. Bah, t'es trop loin de toi. Ramassez-moi ça. Toi, ramasse-moi ça. Eux, malheureusement, ils sont à sec. Mais on peut avancer un peu avec eux, je pense. Donc, jusqu'ici... voir un petit peu ce que ça donne. Quitte à se faire allumer la tronche. Toi, t'as plus de munitions. C'est pas la mort, on s'y fera. Là, ça ressemble à quoi? Putain, ils ont réparé les salauds. Ils sont en train de se préparer à tirer, j'imagine. Toi, il te reste des munitions, oui. J'ai presque envie de commencer à progresser avec lui, mais il y a tellement de monde là. Nos snipers sont bientôt en place. Ici, visiblement, on n'a plus vraiment de monde, en fait. Donc je pense qu'on va venir en renfort. Et ouais, non, faut qu'on y aille. Donc vous, toi, toi et toi. Venez donc là, commencer à soutenir, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup trop de monde, là. Toi, tu l'as chopé, le véhicule, là, ou pas? Ok, parfait. Tu vas venir me le lâcher ici, ça devrait le faire. Ici. Ils y sont presque. Ok, les ingénieurs ont atteint l'artillerie. Excellent. On remonte dans les véhicules. On va se préparer à aller faire ce qu'on a à faire. Toi. On a besoin de toi. Ici.
Toi, t'as plus de munitions. Normalement, on a un camion de ravitaillement quelque part, non? Dans le coin. Ouais, là. Viens te mettre là. Ici. Ici, si je l'envoie jusque là, normalement, on est pas mal. Toi, tu l'as accroché ou pas encore? Ok, c'est parti. Viens donc le dropper là, on sera à portée. Vous, bah vous allez au moins utiliser vos petits PM. Ici, on a réussi à nettoyer le bâtiment, c'est nickel. On a un peu souffert pour ça, mais ça l'a fait. Est-ce qu'on a toujours nos guerrieros là? Yes, allez go, lancez-moi un assaut sur ce bâtiment. On a réussi à s'en faire un là. Ok, parfait. Suivant, 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 c'est toi. Shoot-moi ça. Toi. Shoot-moi ça. Il y en a un autre là-bas qui nous attaque un peu plus loin, on dirait. Non, c'est bon. Ok. On est parti, on va pouvoir arriver carrément dans leur dos. On prend cher. Hein. On prend cher, on prend cher. Il y a tellement de monde. Et là, ils sont tellement nombreux. Si on pouvait raser ce bâtiment à l'artillerie, ça mal rongerait. On est en train de faire en sorte que ça devienne possible. Putain, ils sont trop loin encore, sérieusement. Ok. Chope-moi ça. Toi, c'est pareil. T'as du frag. Tu vas venir ici. On va raser ce bâtiment à la con. Récupérez ça, vous. Allez, go. Alors là, on se fait allumer par un tank. Très bien. Ah, on a plus de taux. On a plus de taux, mais on a une escouade à l'intérieur. On lance roquette. On se fait visiblement allumer. Au sol. Alors, tout est prêt à exploser et embarquer les bunkers et les tranchées autour. Alors du coup, on va reculer. Merde, il est en flamme le véhicule. Stop, arrêtez-vous du coup, arrêtez-vous. Retournez-vous planquer. Vous et vous, vous sortez. Un commandant du cartel éliminé. Parfait. Alors ça va être quoi la suite? Là, il faut qu'on avance un petit peu, qu'on ait un meilleur angle, genre par là. Toi, t'es le HE. Ici, on a de la mitrailleuse lourde, c'est pas mal. Ici aussi. On va raser ces bâtiments s'il le faut, rien à foutre. Toi, viens dropper ta tourelle juste ici. Du coup, ça y est, ils font tout péter là. Nickel. Ça c'est très cool. Place Mardinus, plus de munitions. Merde. Pas cool ça. Et plasma pierre, il n'y en a plus des masses non plus. Repliez-vous. Quitte à laisser un peu la place. Eux, ils sont bientôt morts. Si vous pouviez sortir. Alors est-ce qu'ils sortent de ce côté-là? C'est ça la question. Qui recule. On va essayer d'éviter de perdre complètement des troupes si on peut. Ok, c'est bon, on commence à annihiler tout ça, l'artillerie. Là du coup, il en reste un, ils sont en train de le réparer. Donc, continuez de maintenir la pression les gars. Toi, rouvre-toi, toi, viens te recharger ici. Toi, tu continues de tirer sur ce truc. Alors normalement ils ont fait une mise à jour qui fait que maintenant on peut continuer, voilà, on peut donner un ordre de tir, avant on pouvait pas. Désormais on peut donner un ordre de tir avec la touche d'attaque. Hop, sur des unités qui ont été lâchées par leur servant. Ah, on a perdu Faucon 1 en même temps.
c'est parti. Eux, ils vont venir nous aider un peu. J'espère que ça va soutenir, parce que là, j'avoue qu'on a besoin d'un peu d'aide, quand même. On avance ici. Ils sont en train de se replier, là, hein, petit à petit, mais on fait mal. Ok, deux commandants de fait. En train de s'enfuir. Et comment ils vont s'enfuir, hein? Je pose la question. Allons-y. Il reste un mec qui résiste là. On a quand même moyen de s'en occuper. Alors là du coup on n'a plus de munitions HE, mais on a encore quand même de quoi allumer. Est-ce qu'on a réussi à éliminer ça? Parfait, il n'y a plus que les mecs tout seuls. Donc ici on a reculé, ce qui fait qu'ils ont envie d'avancer, bien évidemment. Là on va pouvoir aller récupérer ça et après on va reculer, je pense. On va rester là, bien planqué. Ah, par contre ça commence à être la fin en termes de munitions. Est-ce qu'on peut amener notre camion? Ça peut être safe là. Amener notre camion juste là, là. Il n'y a plus que lui qui court dans sa maison. Une balle perdue et on va le finir. Quoi? Merde. Des aéronefs hostiles carrément. Ça c'est la merde. Ah, il y a toujours le char ici. Merde, ok, donc attendez, non, réparez pas. Sale bête, où sont nos seaux là? Je les avais foutus dans un véhicule. Dans le char, où est le char? Là. Non, c'était pas lui. Là. Ah bah les commandants du cartel, ils vont rien faire là. Attends, là on est en train de se faire défoncer, j'aurais pas dû, on a réussi à éliminer un véhicule, on va avancer avec la Brahms. Il nous faut du renfort pour Bob là. Ah, ça c'est des Templarios ça, ouais c'est des Templarios ça. Attends. Non. Défoncer notre Bradley, les salauds. En arrière. Alors, il y a un nouveau... Les trucs volants, là, qui sont en mode énervé. Ah, c'est pas eux, merde. C'est pas eux qui avaient le saut, c'était ceux-là. Bon, bah, juste à la dernière seconde, on perd notre Bradley, quoi. Oh la tristesse. We got there. Then you'll be leaving soon? Going back north? Got business there. Founders business. You founders guys. All about duty and orders. You could stay here a while. Enjoy some of the freedom you helped give these people. It's a nice idea, but Sergeant's right. Our mission takes us back north. I hear that. Let's get packed up and ready to go. Okay. Ah putain, des RF6. Sérieusement, des RF6 là? Ok, rentrez dans les bâtiments. Reprenez les véhicules. Là, on va se déployer. Les véhicules pour encore de la munition. Ici. Vite. Vite, vite, vite. Putain, les RF6 quoi. Je me disais, allez, je vais aller tranquillement. Tiens. Ah oui, il y avait des bandidos ici, ok, tout au fond. Je me disais, je vais tranquillement aller chercher l'autre Bradley, là, mais...
Ça, c'est le truc qui fout la merde. Bon, déjà, toi, tu peux aller te placer là pour récupérer ce char. Du coup, vous tous, on va aller par là-bas. On a rien pour se les faire là, sérieusement. Go. À court de carburant. Quoi? Toi t'es à court de carburant? Non, toi t'es à court de munitions. Toi t'es à court de carburant. Bah écoute, c'est pas grave. On tira pas plus loin. Ça me dérange pas. Là on va prendre ce char. Vous du coup, bah vous allez marcher jusque là, récupérer le Bradley. Oh putain, ils sont au... Ils sont à la mitrailleuse à plasma, les foutus F6, quoi. Putain, c'est pas fini, hein. Oh la vache. Ah l'enfer. Putain, ils ont déployé un max de F6, quoi. Go. Putain. Ah ouais, là c'est l'enfer là. Ok, alors on va devoir se détendre 2 secondes. j'avais pas vu ça comme ça. Je voulais de toute façon regarder un petit peu les possibilités tactiques qu'on a si je recharge. Ah ouais, les mecs ils drop du ref 6 et puis bisous quoi. Démerdez-vous. Les mecs en plus ils sont à la... Waouh. La violence. Ok, limite faudrait presque qu'on évacue là en fait et qu'on les laisse. Tain, en plus ils ont plus de munitions. Là non plus. Là il nous en reste un peu mais voilà. Là Finch le pirate ils vont se faire dépouiller. Ouais non, ça va être mort. Ok, on va essayer de recharger pour le voir un peu... Ici tiens. Juste pour voir, pour le plaisir. Ça serait con de se faire raser la moitié de l'armée à cause du mec qui se pointe avec des RF6 à la dernière minute, quoi. Excusez-moi d'être un petit peu dubitatif. On avait réussi à plus ou moins économiser nos troupes quand même. Ok, alors du coup... On était en train de se préparer à l'assaut là, ok parfait. Donc du coup ce qu'on va faire, on va anticiper, on va prendre eux. On va leur demander de venir jusqu'ici. Là, on va avancer jusque là. Enfin encore même non, je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va venir le poser là. Toi, tu viens ici. Là, on va avancer. Alors toi tu vas prendre la couverture, on va mettre plutôt le striker sur le côté. On avance jusqu'ici. Toi t'avances jusqu'ici. Là. On va abandonner ce bâtiment pour le moment. De toute façon, on n'a plus de munitions, donc on fera pas de miracle. Ici, on a tout le monde qui est en train de se préparer à allumer. Toi, t'es un taux, tu sers à rien dans le contexte. Viens donc par là. Ça, c'est quoi? Un camion citerne, ok. Ici, il faut qu'on se termine ça. Alors, du coup, hop, la cible. Et ici, la cible. Là, du coup, bah... Ah oui, on avait quand même perdu le Bradley. Ok, on va attendre. Ok, là c'est fait. Excellent. Ah, et ça y est, là ils sont en train d'arriver. Non, c'est des Granaderos. Du coup, toi t'es un peu tout seul. Recule, fais-toi face à des Granaderos. Aïe.
Ah, pareil, toi t'es un taux, donc calme-toi un peu. On va reculer jusque là. Toi t'es en train de te soigner. Ici, on est à l'arme lourde. Ce serait bien qu'on aille là. Dans l'absolu. Quoi, t'es capable de péter la tronche de tout ça là? Ici l'artillerie, ce serait bien qu'elle nous aide un peu. Elle est à portée. Ouais, elle est à portée. Rasez-moi ce bâtiment. Démerdez-vous, j'ai envie de dire. Toi, tu vas lâcher ça là. Ici, j'aimerais bien qu'on mette quelques snipers ici. Nos sauts, ils sont en position ou pas? Ils sont en train d'arriver. Là, on va lâcher eux également. Toi, tu vas les dropper par là. Vous, arrêtez-vous au sol. Excellent. Oh, le saut là, il a carrément fait le taf quoi. Bon, par contre ils sont en train de charger avec des RF6, ça y est. Ils sont en train de charger avec des RF6. On a un petit peu de monde en position, mais pas ouf non plus. Il faut qu'on se débarrasse de ces saloperies du cartel. Lui est en train de faire je ne sais quoi. Ouais, là du coup, forcément, on se fait défoncer. Donc là, l'artillerie, il faut qu'elle nous aide. Vous, vous allez foncer par là. Toi avec ton HE. Pareil, il faut venir défoncer ça. Putain la vache quoi. C'est tellement l'enfer. Ils sont en train de s'enfuir. Qu'est-ce que vous foutez là? Chopez-les. Bon, rien à foutre, chopez-les. Un de moins. Go. Ah putain, il y a un char sur le chemin. Go. Oh là là, sérieusement. Le truc qui part en sucette hyper vite, quoi. Ici, il y a toujours les Templaros. Ah, ils sont en train de galérer, visiblement. Face au... Ouh la vache, les mines. Les alliés ont réussi à prendre ça, donc c'est plutôt cool. Alors par contre, nous, on est en galère, là. Si on pouvait éliminer les mecs... Ah mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il peut pas conduire, donc il est immobilisé, mais maintenant qu'il est tanky dans son truc... Et là, on a plus de munitions. Putain. Quelle merde. Le Bradley. Viens là, mec. Il nous faut un coup de main. Nombre d'équipage neutralisé, à terre, à terre, à terre. Je crois que c'était le dernier de Vermouth 1. On a perdu complètement tout le groupe. On commence à les endommager quand même. Écoutez-moi, c'est con là, sérieusement. Les mecs, ils se baladent au milieu de nous, quoi. Ça, c'est quoi? C'est un bandidos. Allez, go, là, faut avancer un peu. Je
Mais l'autre est en train de s'enfuir quoi. Je rêve. Qu'est-ce que vous foutez? Pourquoi vous tirez pas dessus? Il y a un bug ou quoi? Ah, il y a un bug, je peux pas leur tirer dessus quoi. Ils le laissent tous passer. Non mais attends, je rêve si je fais ça. Non, il tire pas. D'accord, ok, bah du coup... on va arrêter l'épisode là, il va falloir que je regarde un peu c'est quoi cette connerie. Et on va se dire à très vite du coup. Ça se passe pas trop mal, même si il y a quand même un truc qui couille un peu. Là, il y a des renforts qui arrivent de nouveau. Enfin, c'est un peu le bordel. Donc, on s'arrête là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.